Et salut à toutes et à tous, c'est le Basilic. Quand allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau épisode de notre aventure sur FIFA 23 avec, en carrière manager avec le CEO Chalon. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas tourné d'épisode. Je sais pas, c'était quand la dernière fois qu'on avait fait un épisode sur FIFA, je sais plus. Donc c'est parti pour dans cet épisode. Les matchs, je sais même pas si j'ai même pas regardé le calendrier. Ouais. Donc, nous sommes au mois de février, donc il y aura 5 matchs dans cette vidéo. Match là face à Rodez, ensuite le coup face à Valenciennes, ensuite le match face à Metz et les matchs face à Laval et le Paris FC. Donc, pour le moment, si j'avais bien vu, nous sommes toujours premier du classement. Nous sommes toujours premier du classement hein, avec 56 points juste devant Guingamp qui a 46 points, nous sommes à 10 points d'avance sur notre dauphin. Donc nous affrontons les 13e qui ont que 26 points. Donc j'ai envie de dire, let's go, on se retrouve directement bah, sur le terrain pour le match face à Rodez. Et c'est parti pour Et le donc début coup de cette d'envoi première de ce période. match face à Rodez. On se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match. Vincent Bertelli le tire et ça Et non, passe pas de au-dessus réussite de sur la cette cage du action. gardien de Rodez. Ah, il élimine son Attention, adversaire. McCowatt le Attention à ce tire et tir. l'ouverture du score à la Oh, 33e minute par la génial! nouvelle Le recrue. scénario parfait pour ce McCowatt, début. ça fait Premier 1-0 match pour et Chalon face à revenu. Rodez. Face à face avec le Attention gardien. Hugo Bertelli, le tir en la La frappe barre, sur la barre, c'est dommage! pas fini. Et c'est la C'est fin du fini le match. coup de sifflet qui renvoie donc Victoire les deux 1-0, on équipes aura au pu vestiaire marquer et un peu l'équipe plus, visiteuse mais c'est pas l'emporte. grave, on Avec eux, prend on a avec les l'habitude. 3 Ils points. ont On se retrouve pour toujours le prochain cette match. solidité. Match de coupe face à Valenciennes en 8e de finale. On va essayer de changer un peu la tactique et repartir peut-être sur une tactique classique. On va voir si tout fonctionne. Donc on se retrouve directement sur le terrain face à Valenciennes. À tout de suite. C'est parti pour le coup d'envoi de Et c'est ce parti dans match ce match. de Coupe de France face à Valenciennes. On va essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, on a atteint notre objectif en Coupe de France qui était d'arriver en huitième de finale. Donc cette fois-ci, on va essayer de. Maintenant, ce sera que du bonus. Le jeu Donc progresse peut-être pour se rapprocher des buts adverses. d'aller, pourquoi pas, gagner, ramener la coupe à la maison. Et on se retrouve bien Danger pour évidemment la défense avec ce pour centre dans les la meilleurs surface. moments du match. Et l'attaque se poursuit. C'est une Sur bonne séquence de Galaxy, le jeu. Face tir à et Parfumet. ouverture de Et score! voilà ce but! Juste au Le début de la premier seconde but période. inscrit Ça dans fait cette rencontre. 1-0 pour Et les voilà Chalon face donc à qui mènent Valenciennes. Et maintenant. grâce à Vivien Galaxy, le capitaine de cette équipe. Sur Galaxy, Et le le ballon part bien. tir et Et le le deux second voilà! but C'est pour dedans! Chalon par Et le situation capitaine qui Vivien amène le nouveau Galaxy but. à la Et creux, 64e encore minute. l'écart. Ça fait L'avance est 2-0. confortable. 2-0, pardon. Attention, Allez, il Daniel, faut le jeune du l'attaquer! centre de formation, qui marque son premier but 23e but dans d'écart. cette Leur équipe et domination son est premier but écrasante. ici et le troisième but dans ce match. Ça fait 3-0 pour Chalon face à Valenciennes. Les Chalonnais commencent à s'envoler. Attention, dernier tir de ce match. Pour le dernier corner. Attention, Le dernière corner. action. La tête de Daniel Et et la le doublé. but encore et Le toujours doublé plus. pour Quel ce jeune festival qui offensif. sort du centre de 4 buts formation. d'avance Ça fait maintenant. 4-0 pour Chalon face à Valenciennes. Alors qu'on ne croyait même plus pouvoir gagner ce match à la fin de la première période. Finir Revoyons sur un ce match nul, corner, peut-être à c'est la prévu, il prolongation. dirait presque Là, on Hollande met est quatre envahi buts la en une surface période. dangereuse. Ça fait À du l'arrivée, bien. ça donne une finition. Et Et c'est c'est la donc fin du dans match. ce match, à l'issue Victoire donc de ce 4 à tir à 0. l'extérieur, qualification pour le Ah, prochain. qualifié pour les quarts de C'est une finale, comme j'ai qualification dit triomphale au pour début le de cette tour rencontre. suivant. Et quand on voit Ce n'est ça, que du on bonus ne maintenant bavarde pas une seconde qu'on de a atteint plus. On l'objectif de la Coupe s'incline. de France avec cette équipe. On se retrouve pour le prochain match, les amis. Tout le monde parle de ce match depuis plusieurs jours. On y est enfin!
se retrouve dans quelques secondes pour le coup d'envoi. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match face au FC Metz dans le derby Grand Est, comme on peut dire. C'est un derby de la région, donc on va tout faire pour avoir les 3 points face au 9e. Et vous connaissez maintenant la chanson, à force de regarder mes vidéos sur FIFA. On se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match. Attention, méfiance avec ce centre. Et oh, l'ouverture de score, et c'est CSC à la 18e minute. Mais maintenant, oh là 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 là, ça aurait pu être un deuxième but pour Matt Corwell dans cette vidéo depuis qu'il est arrivé. Mais ça fait seulement 1-0 grâce à un CSC. Ah bah, du défenseur, mais ça. Intervenir s'il y a du nouveau. Matt Corwell, le tir de Matt Corwell. Ah, et oui, c'est réussi. Et le deuxième but à la 65e minute. Voilà. Matt Corwell. C'est son deuxième but dans l'équipe du CO Chalon depuis son arrivée en janvier. Ça fait 2-0. Vers la surface, le centre. Matt Corwell pour Mas, le tir. Oh, le troisième but. Le but dès qu'il rentre pour Pierre Mas. Ça fait 3-0 à la 77e minute. Terminé. Et c'est la fin du match. Victoire 3-0 pour notre équipe chalonnaise face au FC Metz pour ce derby. Ça fait du bien. On trouve pour le prochain match. Il est capable de donner le vertige à n'importe. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match face au dernier du classement, face au Stade Laval. On se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match. McCowite, le tir de McCowite et l'ouverture du score pour Chalon face à Laval. C'est Calum McCowite qui met son but. C'est son troisième but depuis qu'il est arrivé chez nous, toute compétition confondue. Et c'est la fin du match. Victoire 1-0, but de Calum McCowite. Les trois points en première période, donc on se retrouve pour le prochain match. Appelez ça comme vous voulez. Bon, les amis, bon match face au Paris FC qu'on va jouer en moment fort parce que juste après, on a un match de coupe en quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. Il faut quand même préserver, quoique même, on va simuler carrément le match. Donc. On va voir comment on réussit nos joueurs face au Paris FC. De toute façon, nous sommes premiers. Qu'on perde ou pas ce match, ça n'influe pas pour nous le classement. Attention. Et c'est une victoire 2 buts à 1. Un but de Morel. Égalisation de Guilavogui à la 40e. Et McCowite qui vient marquer son 4e but avec nous en Ligue 2 BKT. Qui permet d'assurer la victoire face au Paris FC. Donc nous sommes toujours premiers au classement. Donc on se retrouve directement pour le match face à l'Olympique Lyonnais. Et c'est parti pour le coup d'envoi de ce quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. Un très très gros match qui nous attend. Et un match très très dur face à un cador de la France. Un cador de la Ligue 1. On se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match et espérons la victoire pour se qualifier en demi. Adam le tir, c'est contré par la défense. Galaxy le tir et Anthony Lopez qui dévie le ballon en corner. Sur Galaxy le tir et c'est à côté des buts d'Anthony Lopez, dommage. Ah, c'est bien parti. Donc Fati le tir et c'est dans les bras d'Anthony Lopez, dommage. Énorme réflexe. Eh oui, en plus. Attention, Fati. Oh, le but, et le but de Fati à la 101e minute. Ça fait 1-0 pour Chalon face à l'Olympique Lyonnais. On est dans les prolongations. C'est un match très très difficile, surtout pour les nerfs. Est-ce que c'est le but de la délivrance? Nous le verrons bien. Quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Oh, c'est un bon ballon. Attention, ça. Fati! Non, et malheureusement, il ne viendra pas mettre son doublé pour le moment. Et c'est la fin du match. Et c'est fini dans victoire ce match 1-0 grâce à Ahmed Fati. Pour le prochain. On est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France au bout d'un match
exceptionnel. Au bout du bout, nous avons réussi à battre les Lyonnais qui n'ont pas démérité sur dans ce match. Ils ont réussi à bien nous fermer les angles. On a réussi à faire de même, à avoir une bonne défense. Voilà, c'était un match très dur mentalement. Ouais les amis, donc on va s'arrêter là pour cet épisode chargé en match et en émotion. Évidemment, avec cette superbe victoire face à Lyon en Coupe de France en prolongation grâce à Ahmed Fati quand même. Ça nous a fait du bien. Donc si on regarde le classement de la Ligue 2 BKT, pour le moment nous sommes toujours premier avec 68 points devant Guingamp qui a 52 points. Nous avons 16 points d'avance sur le second. Donc nous pouvons carrément simuler les trois prochains matchs pour le mois de mars parce que disons que... Pour le moment, rien, même si Guingamp gagne ses trois prochains matchs et nous perdons nos trois prochains matchs, nous serons toujours premiers de Ligue 2 BKT et pour le moment, nous sommes toujours assurés de monter directement en Ligue 1 la saison prochaine. Si nous regardons les demi-finales de Coupe Nationale, nous affronterons l'OGC Nice alors que Paris affrontera l'AC Ajaccio. Donc les quarts de finale, Paris avait gagné 2-1 face au Stade Rennais. Nous avons gagné 1-0 face à Lyon. Nice a gagné 3-0 face à Strasbourg. Ajaccio a gagné 2-1 face au Stade Brestois. Pour les huitièmes de finale, Lyon a gagné 3-1 face à Sochaux. Rennes a gagné 2-1 face à Amiens. Nous avons gagné 4-0 face à Valenciennes. Nice a gagné 2-1 face à Lorient. Strasbourg a gagné 2-1 face à Toulouse. Paris a gagné 3-0 face à Lille. Saint-Étienne a perdu 2-1 face à Ajaccio. Et Brest a gagné 2-1 face à Lens. Les sixièmes de finale ont fait quand même une grosse hécatombe au terme de Ligue 1. New York a perdu 2-0 face à Sochaux, Clermont a perdu 2-1 face à Toulouse, Guingamp qui avait perdu 2-0 face à Ajaccio, Angers qui avait perdu 2-1 face à Amiens, Quevilly-Rouen qui avait perdu 3-1 face à nous, Saint-Étienne qui avait gagné 4-3 au tir au but face à Nîmes, 3 qui avait perdu 3-1 face à Lyon, Montpellier qui avait perdu 4-3 face à Strasbourg, Laval qui avait perdu 1-0 face à Lens, Marseille qui avait perdu 4-3 au tir au but face à Brest, Bordeaux qui a perdu 2-1 face à Rennes, Monaco qui a perdu 2-1 face à Lille, Le Havre qui a perdu 1-0 face à Valenciennes, Nantes qui a perdu 2-1 face à Lorient, Auxerre qui a perdu 2-1 face à Nice, et Reims qui a perdu 4-2 face à Paris. Si nous perdons les autres compétitions, donc ça nous en fichons. La Supercoupe de l'UEFA avait été remportée par Francfort 3-2. Pour le moment, les huitièmes de finale, Chelsea avait gagné pour le moment 2-1 au match aller face à Paris. Et puis bientôt les matchs retour. Dortmund a gagné 2-1 face à Atlético Madrid au match aller. Le Real avait gagné 2-0 au match aller face à Liverpool. La Juventus avait perdu 1-0 face à Porto au match aller. L'Inter a gagné 4-0 au match aller face au Sporting. Leipzig a gagné 2-0 au match aller face au Milan. Manchester City a gagné 3-1 face au Barça au match aller. Et Marseille a été 1-1 face au Milan au match aller. C'est-à-dire que les phases de poule, les premiers étaient Liverpool et Naples, suivi de l'Atlético et de Porto, l'Inter, le FC Barcelone, Marseille et le Sporting avaient été sortis de leur groupe, Chelsea et Milan étaient sortis de leur groupe, Leipzig et le Real aussi, City et Dortmund aussi, et la Juve et le PSG étaient réussi à sortir de leur groupe. Paris a failli quand même finir troisième parce qu'ils avaient perdu un match. Ils ont une victoire de plus que face à Benfica qui ont un nul de plus. Si nous voyons les huitièmes de finale de l'Europa League, ça c'est Lazio, Arsenal, Bayern Munich, Stade Rennais, Arsenal face à l'Union Berlin, Dynamo Zagreb face à la Real Sociedad, PSV Eindhoven, Monaco, Trabzonspor, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Rome. Voilà, l'AS Roma, Nantes face à Fribourg. Donc les clubs français étaient passés directement en 8e de finale. Ils avaient fini à chaque fois premier de leur groupe. Arsenal et PSG étaient passés. Rennes avait fini premier de son groupe face à Fenerbahçe. Rome et le Real Betis avaient été sortis de leur groupe. Union Berlin et Braga étaient sortis.
de leur groupe. Ça s'est joué à la différence de groupe entre le Union Saint, la Royal Union Saint-Germain ou Saint-Gouin, je sais plus, c'est, vous me direz s'il y a des Belges qui regardent mes vidéos, pour le nom de cette équipe. Et Braga, ça s'est joué à la différence de but. L'Union SG s'est pris plus, a marqué moins de buts que Braga, d'où la différence de but. La Real Sociedad et Manchester United étaient sortis de leur poule. Feyenoord et la Lazio sont sortis de leur poule. Nantes avait fini deuxième de son groupe A. Ah, j'ai cru qu'il avait fini premier, mais... Ah oui, ils avaient gagné 2-1 face à l'Ajax. Enfin, 3-2, le score final face à l'Ajax. Ben, GG au Nantais. Et Monaco avait fini premier de son groupe. Si nous regardons le premier huitième de finale de la Conference League, ce sera Anderlecht Villarreal, Lech Poznan AZ, Helsinki face à Bâle, Athènes Nice, Dynamo Kiev Fiorentina, Ferenc Karussi face à Djurgården, Köln face à West Ham et Victoria Pilsen face au Slavia Prague. Les tours préliminaires de la Conference League, c'était Lech Poznan qui ont gagné au tir au but 5-4, Anderlecht qui a gagné 4-3 face à Saint Johnstone, Ferenc Gao qui a gagné 4-2 au cumul des deux matchs face à Gent la Gantoise. Ajika qui avait gagné, Helsinki du coup, qui a gagné 4-3 au cumul des deux matchs face à Sarpsborg. Victor Apitzen qui avait gagné 3-2, Athènes qui a gagné 2-1, le Dynamo Kiev qui avait gagné 3-2, et Köln qui avait gagné 4-3 au tir au but parce qu'ils avaient fait 3-3 face à Zurich au cumul des deux matchs. Pour la phase de poule, c'est la Fiorentina et Hertz qui sont sortis de leur poule. West Ham et Anderlecht sont sortis de leur poule. Villarreal et Spaldan sont sortis de leur poule. Nice a fini premier de son groupe devant Köln. LAZ et Victoria Zen sont sortis. Djurgården et Lagantoise sont sortis de leur poule. Stadia Prague et Sivasspor sont sortis de leur poule. Bâle et le Rapid Vienne sont aussi sortis de leur poule. Sur ce, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode en ma compagnie. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher votre meilleur pouce bleu. C'était le Basilic à votre service. Je rends l'antenne. Ciao tout le monde, les Moldus.